un match 1 contre 1. Fallait marquer de l'autre camp, il y avait un défenseur. En fait, moi je trouve facile, sauf qu'on n'arrivait pas à marquer. Parce qu'ils défendaient bien. J'aime bien parce que tu vas apprendre à jouer au foot et... Et on s'amuse. 3, 2, 1, top! J'ai gagné, j'ai récupéré tous les plots en premier et voilà, je suis fatiguée. Ça s'est bien passé, il y a eu égalité, personne n'a gagné, personne n'a perdu, tout le monde est passé au moins une fois. Bah en fait, on a encouragé ceux qui sont passés, comme ça, ils peuvent gagner. Je suis sur les terrains d'entraînement de l'Estac, donc ça c'est... avec mes potes en plus. C'est fatigant mais c'est trop bien. Nous montrer des cartes, nous on devait lire. Pour le premier, il fallait les expliquer. La deuxième, c'était avec expliquer, mais avec tout le monde. La troisième, il fallait les mimer. Bah, il y a des jeux qui étaient durs, et celui-là, c'est facile, moyen. C'est bien parce qu'on joue. On s'est retrouvé aujourd'hui pour la Coupe des quartiers. Effectivement, c'est une très très belle journée parce qu'aujourd'hui, 50 jeunes des quartiers de l'agglomération ont pu participer à une après-midi de jeux, de compétition. Mais au final, il y a un gagnant, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est tous les enfants qui ont pu, par ces jeux, découvrir les autres jeunes des quartiers et avoir leur sourire. Honnêtement, ils ont passé une très très belle journée et c'est tous les quartiers de l'agglomération qui ont gagné aujourd'hui. Donc 3 Champagne Métropole est très très fier et très heureux de soutenir ces événements en partenariat avec les STAC. C'était extra bien, on s'est bien amusé. C'était super cet après-midi, c'était des super matchs et là ça va bientôt être le grand match. Donc je dois me préparer pour le grand match, vraiment m'entraîner. Quand l'Estac a mis ça en place, on a été partenaire spontanément et automatiquement pour une raison simple, c'est que nos équipes sont au quotidien dans les quartiers de l'agglomération troyenne. Ça nous semblait évident et indispensable d'être à vos côtés et d'être aux côtés des équipes qui tous les jours habitent dans ces quartiers que nous entretenons. Donc c'est un vrai bonheur d'être avec vous et d'être le partenaire de ce genre de manifestation. Et qui plus est cette année, c'est l'équipe de la Chapelle Saint-Luc, commune où nous avons le siège de la direction régionale qui a gagné la coupe. Donc tout va bien. Ouais.